Aujourd'hui, je suis triste, triste et révoltée. Il est rare que je l'exprime ici, mais cette révolte, je l'espère constructive, instructive, et j'espère qu'elle me fera grandir. J'ai un fils de 17 ans, il est lycéen, en classe de première. Depuis le début du confinement, je vois des enseignants qui expriment leur désarroi, des parents qui disent leurs difficultés, un ministère qui fait ce qu'il fait. Tous au nom de la continuité pédagogique. Tous tournés vers l'avenir des adolescents, leur retour au lycée, leur niveau scolaire, au nom de la réussite. Est-ce vraiment là la priorité absolue? Est-ce vraiment là que se situe la réussite? Qui veille à leur bien-être émotionnel, à leur ressenti, à être contraints à l'isolement à un âge où les copains sont si importants, à la dégradation de leur confiance et de leur image? Quand ils se retrouvent seuls en butte à des leçons qu'ils ne comprennent pas, à leur colère face à des adultes qui ont failli en leur transmettant un monde abîmé, démotivés pour certains face à l'ampleur de la tâche qui s'annonce, et pire, pour certains désenchantés quant à un avenir possible. Qui veille à cela? À l'heure des neurosciences, nous ne pouvons plus nier le lien entre les émotions, notre capacité d'apprentissage, notre capacité à nous organiser, à structurer notre pensée, à faire des projets. Et puis, peut-on réellement vouloir que ça redevienne comme avant, qu'à la sortie du confinement, nous reprenions la cour des choses? Que transmettons-nous à nos enfants, à nos ados, à cet instant-là, en exigeant d'eux qu'ils continuent, qu'ils s'accrochent, qu'ils travaillent dur, qu'ils gardent le rythme, qu'ils se bougent, voyons? Je m'interroge et me remets en question. Quel message est-ce que je transmets à mon fils? Coûte que coûte, avance! Mais au nom de quoi? D'un vieux système qu'on a fait nôtre? Pourquoi? Pour qui? La réussite? La peur d'être exclu? La fierté d'un bon poste? Un confort financier? Une réussite sociale? Un PIB florissant? Pour quel résultat? Une humanité coupée de sa nature? Des individus coupés de leur nature? Des êtres désenchantés travaillant pour survivre? Une planète pillée par notre avidité à consommer? Fils, voilà des années que je t'assène et continue, mon fils. Accroche-toi. Je les ai dit parce que je ne savais pas dire autre chose, parce que j'avais peur pour toi, pour ton avenir. Et puis il y a eu aujourd'hui. Et j'ai vu les dégâts que nous avons faits. Moi, tes profs, les grands pontes, la société, chacun responsable. À dire vrai, c'est pas moi qui l'ai vu. C'est toi qui me l'as montré à grands coups de colère dans ton punching bowl, t'écroulant ensuite en pleurs. Trop, c'est trop. Alors aujourd'hui, je te demande pardon. À toi et à tous tes camarades, à mes clients de ton âge, pardon de n'avoir pas été à la hauteur, par peur, par habitude. Certes, nous pensions bien faire, mais maintenant je ne peux plus ignorer que nous faisions fausse route. Alors tout s'écroule, Mams? Non, mon fils, tout commence. Tu sais, le processus de création est toujours précédé d'une période de chaos. Je comprends pas, Mams. Regarde quand je crée un mandala. Tu vois le bazar que je mets au départ? Avec les magazines que je découpe, la peinture, les boîtes avec les différents papiers. Ah ouais, clair, c'est le souk. Et puis ensuite je trie, je fais des choix, j'écoute mon cœur, je suis ma joie, et les choses finissent par se mettre en place. Et à chaque fois, je suis étonnée du résultat. Il dépasse toujours mes attentes. Et tu sais quoi, mon fils? Non, Mamps. À aucun moment dans ce processus, je ne laisserai quelqu'un intervenir. À cet instant-là, en pleine création, connecté à mon cœur, à ma joie, à mon âme, à ma force créatrice, tu l'appelles comme tu veux, je suis seul maître de mes choix. Ils sont fluides, évidents. Et quand je doute, je laisse poser, je vais faire autre chose. Je retrouve ma joie et d'un coup, ça se débloque. Quel rapport avec mes cours, avec Pronote, avec mes notes pourries, avec ce putain de confinement et mon avenir?
Tu es dans la phase de chaos. Il y en a de partout. Oublie Pronote, oublie les notes. Pose-toi et respire. Toi aussi, tu as le droit de prendre ce confinement comme un temps pour mieux te connaître. Trouve ce qui te fait du bien dans ce contexte. Nourris ton cœur, nourris ta joie, découvre tes passions, fouille, creuse de plus en plus profond en toi. Tu portes en toi des merveilles qui ne se trouvent pas dans Pronote, qui ne s'avelient pas à coups de notes et ne dépendent de personne d'autre que toi. T'es sûr, Mams? Oui. C'est la passion qui rend les gens brillants. Alors peu importe ce que tu choisis de faire, mais fais-le avec passion. C'est de cela dont le monde a besoin. Et l'école, Mams? C'est un moyen parmi tant d'autres. Ta priorité absolue, c'est toi, ton équilibre, et que tu aies de la joie à vivre cette vie et à relever les challenges qui sont à relever par votre génération. Je vais faire comment? Aucune idée. Tu feras pas à pas. Tu en as la force au fond de toi. Et je serai là pour t'accompagner, pour t'épauler. Oh, je dis pas que je flipperai pas par moment, hein, mais promis, je m'occuperai de mes peurs. Et je sais qu'en faisant cela, je te rendrai à chaque fois un peu plus autonome, confiant, responsable et libre. Libre d'être toi, au-delà de mes peurs, au-delà des attentes d'une société obsolète. Libre de contribuer à ton avenir et à celui du monde. Ouf, sacrée pression, Mams. Oh non, mon fils, fais de ton mieux. Parfois tu te tromperas, parfois tu échoueras, mais à chaque fois tu grandiras. Tu le sais, fils, depuis quelques mois, je reçois en consultation de plus en plus de jeunes en échec, en perte de sens, en recherche d'orientation ou en grand stress scolaire. Au fil du chemin que je parcours à leur côté, ils reconnectent avec leurs rêves, leurs passions, retrouvent du sens dans leur existence. Ils s'orientent alors vers de nouveaux horizons, osant créer leur propre chemin, suivant leur joie, échouant parfois, exigeant toujours de prendre des voies qui ont du sens pour eux, même si pour cela ils doivent refuser une voie d'orientation pré-tracée, s'opposer à leurs proches, terroriser père et mère, écouter les leçons de morale des anciens. Je les accompagne et pourtant tu sais quoi? Leur audace m'impressionne. Ils dépassent toujours ce que j'avais pu imaginer. Comme ta sœur d'ailleurs, qui a choisi cette même voie. Et ils m'enseignent tous tellement. Alors je vais te dire à toi ce que je leur dis à eux. Même si le chemin te paraît parfois chaotique, voire inexistant, garde juste le cap. Suis ta joie. Ça marche, Mumps. Juste un truc. Quoi, mon fils? Promets que toi aussi tu vas suivre le même cap, avec audace et persévérance. Promis, fils, avec audace et persévérance, je vais suivre ma joie. Merci pour la leçon, fiston. Mams.